SSD. Vince. Enchanté. SSD, Monsieur Corelli. Je suis responsable de votre sécurité durant votre visite. Il y a un certain nombre de choses que j'aimerais voir avec vous, Mademoiselle Fabrizi. La presse d'abord. Mademoiselle Fabrizi, le Parti libéral n'a que 2 ans d'existence. Pourquoi les électeurs italiens vous ont-ils pris tellement au sérieux? Parce que nous représentons l'honnêteté dans la politique italienne, le refus des anciennes valeurs. Nous sommes contre la corruption. Nous voulons nettoyer la politique dans notre pays une bonne fois pour toutes. C'est pourquoi nous tenons à assister à la conférence des gouvernements ouverts. Oui, mais votre combat contre la corruption ne serait-il pas que de la poudre aux yeux? Une tentative cynique de récupérer des votes? Apparemment, mes ennemis ne partagent pas du tout cette opinion. J'ai reçu des menaces de mort, mais ils ne m'empêcheront pas de m'exprimer. C'est pour combattre la corruption que je suis entrée en politique. C'est une passion et je m'y dévouerai corps et âme. Et votre autre passion, quand allez-vous nous annoncer la date du grand jour pour Alberto et vous? Le grand jour? C'est la semaine prochaine, le jour des élections. Vous savez très bien ce que je veux dire. Quand allez-vous nous annoncer votre mariage? Plus nous avons affirmé qu'il n'y avait rien entre nous, et plus vous avez annoncé l'inverse. Merci maintenant, merci, merci beaucoup. Ce sera tout pour l'instant, merci. Monsieur Corelli... Mademoiselle Fabrizi, une deuxième question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Mademoiselle Fabrizi. Elle vient d'arriver. Alors à vous de jouer. Attention, intrusion à l'intérieur de l'hôtel. Aucune trace de nulle part. Jetons un coup d'œil. Pour certains politiciens étrangers, vouloir s'opposer à la corruption, c'est un peu signer son arrêt de mort. Pardon? Cette chambre devait être celle d'Anna Fabrizi. Ça vient d'ici? Oui, c'est le logo d'un nouveau parti politique italien. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça à la télé. Ils sont venus faire une conférence. Vous utilisez un laser pour dessiner? Regardez. Vous faites des hologrammes? Oui, c'est ça. Les partis politiques, c'est exceptionnel. En général, je fais ça pour des concerts, des lancements de produits ou des événements sportifs. Et vous croyez être victime d'espionnage industriel? Oui, et j'aimerais que vous fouilliez partout. Veuillez m'excuser, mais je ne m'imaginais pas que les lasers étaient si convoités. Ah. Je sais que j'ai l'air d'être un peu parano, mais je suis sûr qu'on a placé des micros chez moi. Mais vous n'avez pas à vous justifier. Dites-vous que ce sont les paranoïaques qui nous font travailler. Vous avez bien dit micro. Mais... Mais, si on a l'intention de vous voler vos dessins, pourquoi écouter vos conversations? Pardon? Non, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils auraient plutôt intérêt à vous cambrioler ou à prendre des photos, ou à venir voler vos disquettes d'ordinateur. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Avez-vous été volé? A-t-on essayé de forcer les codes de vos ordinateurs? Non, je n'ai rien remarqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de micro. Ou un autre système de surveillance. Oui, vous avez raison. C'est pour découvrir tout ça que j'ai fait appel à vous.
Monsieur Swift, nous pouvons vous assurer que si quelqu'un s'intéresse d'un petit peu trop près à vos affaires, nous le débusquerons. Zéro rouge, faites-moi un rapport sur les agissements de William Swift. Beck, regarde cette camionnette. Je suis pas un expert, mais il y a un anachronisme entre ses plaques et sa ligne. C'est pas faux ce que tu dis. L'immatriculation est bien trop ancienne pour ce modèle. Et un petit peu trop discrète, on dirait. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Je vais jeter un coup d'œil. Vous avez l'heure, s'il vous plaît ? Le type qui était en planque vient de se sauver. J'ai l'impression que c'est un pro. Je suis sûr que Swift sait des trucs qu'il refuse de nous dire. Donc, elle avait raison. Qui ça ? L'ami qui m'a conseillé de vous appeler. La question est, cher monsieur, pourquoi êtes-vous sous surveillance ? Un concurrent qui veut m'éliminer. Il ne s'agit pas que de laser. C'est pourtant ce que je pensais. On est des spécialistes des micros, ici il n'y en a aucun. Alors si vous avez d'autres secrets, vous feriez mieux de nous les dire. Merci d'avoir cherché. Et dites-moi ce que votre collègue aura découvert. Bien sûr. Si vous avez besoin d'autre chose, vous savez où nous trouver. Vous m'entendez ? Oui, vas-y, entre-soi. La camionnette que j'ai suivie vient de s'arrêter. Je vais essayer de savoir où je me trouve. Attendez, le chauffeur vient de sortir. Tu ne lâches pas et t'essaies de savoir ce qui se passe. Je vais utiliser notre nouveau RT-73 pour détourner la caméra de sécurité. Et je vais essayer de pénétrer dans le bâtiment. Le curseur de gauche, c'est pour la verticale. Et celui de droite, pour l'horizontale. Tu trouves le point d'équilibre et ça va la bloquer. Allons-y. Ça y est, ça marche. N'oublie pas qu'il peut y avoir d'autres caméras. Bon, j'entre, je vous rappelle plus tard. RT-73, Beckett. Dans mon bureau, je vous y attends. Très bien. J'espère que vous allez vous montrer coopératif, sinon nous allons devoir vous appliquer certaines sanctions. Épargnez-moi le serment, Vance. Je sais que ce service est tellement secret qu'on devrait ignorer jusqu'à son existence. Et je sais aussi que vous pouvez me faire couler dans 20 tonnes de béton, dire à mes amis que j'ai eu un accident de voiture, et on ne saura jamais ce que je suis devenu. Mais vous ne ferez pas ça, j'en suis sûr. Non. Je m'en doutais. Alors je vais vous laisser. Je vais vous donner un conseil. Ne vous approchez pas de William Swift. William Swift nous a demandé de faire un travail. Je ne vois pas pourquoi j'obéirais à vos ordres. Je fréquente des gens plutôt dangereux, alors suivez mon conseil, ne mettez pas votre nez là-dedans. Sinon, je vous jure que vous finirez vraiment dans un tonneau de ciment. William Swift. Je n'ai pas cru un seul mot de ce qu'il nous a dit, et toi ? Je suis sûr que ces lasers, c'est une couverture. Oui. «
Tu n'as pas fait ça. Essayons le nouveau programme. Et si. Entrez les coordonnées. Placer un client sous surveillance, c'est interdit par la loi. Je ne peux pas supporter les clients qui disent pas la vérité. Là, je comprends. Code d'accès, maintenant. Tu devrais essayer sur 14.9. Pourquoi? La réception sera meilleure. Ça a l'air de fonctionner. Je place un micro derrière son bureau. Allô? C'est moi. Anna, chérie, comment s'est passé ton voyage? Oh, sans pas mal non plus, mon micro-téléphone. La presse m'attendait au grand complet à la gare. Ils voulaient tous savoir quand Alberto et moi avions prévu de nous marier. Tu imagines s'ils apprenaient la vérité? Écoute, il s'est passé quelque chose de bizarre ce matin. Il y avait un homme devant l'immeuble qui semblait surveiller. L'un des spécialistes que j'ai engagé l'a pris en chasse. Il est possible qu'il ait été de notre côté. Comment ça? Il a bien fallu que je parle de nous à la sécurité. Je t'expliquerai tout ça quand on se verra. La voix est sensuelle. T'inquiète pas. Oui, à mon avis, c'est une brune. T'es échappé dans la matinée? J'y arriverai. Si je suis de retour pour le disco que je dois faire à 2 heures, ça peut aller? Très bien. Où est-ce qu'on se voit? Tu te rappelles cette grande surface recouverte d'herbe entre 2 bâtiments? La pelouse du Royal College? Là où je t'ai fait ma déclaration. C'est ça. On pourrait se retrouver sur le même banc. Je te retrouve dans 1 heure. Au revoir, Anna. Ciao. Et voilà. J'ai l'impression que c'est cette fille qui est à l'origine de sa paranoïa. Essayons de mettre un nom sur cette voix. Allô? Déclinez votre identité. Déclinez votre identité. Ici Mackenzie. Vous en avez mis du temps à nous recontacter. Comment ça s'est passé à l'hôtel? Dites à votre patron de faire préparer mon fric. La fille sera éliminée d'ici très peu de temps. Alberto. Rends-moi un service. J'ai besoin de sortir. Emmène un des gorilles de veine, sinon pas question de sortir. Je dois avoir un ami. Et tu ne veux surtout pas de chaperon? Voilà, c'est ça. Je m'en occupe. Alberto. Je n'aime pas tous ces secrets. Je dois faire semblant d'ignorer ce que j'aime, faire semblant d'avoir une relation amoureuse avec toi. C'est trop. Tout le monde est ravi d'imaginer que nous formons un couple qui s'aime. On ne va pas détruire leurs illusions. Notre parti est basé avant tout sur l'honnêteté, pas sur la tromperie. D'autres partis donneraient n'importe quoi pour obtenir l'affection des foules que nous avons. Et plus les gens nous aiment, plus nous avons de chances de remporter les élections. Je sais. Je sais. Mais après les élections, on leur expliquera. D'accord? Après les élections, ça n'aura plus d'importance ce qu'on racontera. C'est normal, absolument. Ah, il faut que j'aille à l'ambassade. Vous allez venir avec moi. Ne vous inquiétez pas pour Mademoiselle Fabrizi, elle ne va pas bouger de sa chambre. Au revoir. J'aimerais ton avis. Ça te plairait une déclaration dans ce genre d'endroit? Ça dépend de qui me la ferait. J'avoue que c'est romantique, mais il y a un truc qui m'ennuie. Avec toutes ces fenêtres, on a l'impression d'être au centre d'une scène. Oui, c'est plutôt exposé. C'est parfait pour tuer quelqu'un. Jetons un œil. Thank you.
quelqu'un, j'y vais. Entendu. Moi, je surveille Swift et son amie Anna. Est-ce que je suis heureuse de te voir? Moi aussi, ma chère. Tu veux vraiment qu'on reste ici? Pour le souvenir. J'ai trouvé un type qui les surveille. On dirait qu'il a un détonateur à la main. Il va déclencher une bombe. Mettre les choses à plat. Le peuple italien apprécie beaucoup que vous et Alberto Corelli soyez amants. Et vous, vous laissez dire parce que ça donne de vous une image qui vous permettra de remporter les élections. C'est une façon cynique de présenter les choses. La politique, c'est la politique. Mais vous allez épouser William, n'est-ce pas? Jusque-là, nous avons réussi à conserver notre relation secrète. Mais après les élections, nous avons décidé de dire la vérité. Mais voyez-vous, après les élections, c'est un petit peu tard pour nous. Les services de Vance savent beaucoup de choses à votre sujet, mais nous, on n'a pas été mis au courant. J'hésitais à vous faire confiance, et je ne voulais pas que les ennemis d'Anna apprennent ce qu'il y a entre nous. C'est pour ça que je lui ai demandé de faire vérifier son appartement. Ed et Ross vous ont sauvé la vie? Alors, ça peut peut-être vous donner confiance en nous? Qui aurait envie de vous tuer? Pourquoi? Une quantité de gens. En fait... Le Parti de la Liberté voudrait nettoyer les milieux politiques italiens. Mais vous imaginez bien que ceux qui trempent dans les affaires louches ne veulent pas nous voir arriver. Vous n'êtes pas venu avec votre service de sécurité? Alberto pensait qu'on ne craignait rien ici. Et surtout, le commandant Vance et son équipe devaient nous protéger. Vance ne protégerait pas un poisson rouge dans son aquarium? Je ne veux pas de toutes ces surveillances. Ce que je veux, c'est arriver à piéger les responsables. Est-ce que vous acceptez de m'aider? Parfait pour un traquenard. William Swift travaille ici et Anna peut très bien venir le voir. Pour un tireur d'élite digne de ce nom, elle sera une cible facile. Avant, il a utilisé une bombe. Oui, mais pour nous ici, c'est l'endroit idéal. C'est suffisamment ouvert pour que le tueur trouve le lieu intéressant, mais suffisamment contrôlable pour qu'il ne fasse pas ce qu'il veut. Ici, il ne pourra utiliser qu'un fusil. Et il y a peu d'endroits d'où il pourra tirer. S'il décide de venir. Ne t'inquiète pas, il viendra. Ah, en ce qui concerne ce soir, ouais. C'est toi qui vas passer prendre Anna. Et moi, je me planquerai ici pour attendre le tueur. Oh, je ne suis pas doué comme chauffeur. Toi, tu vas la chercher et moi, je m'occupe du traquenard. Oh, je t'en prie, tu n'as pas ce genre d'entraînement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les combats à main nue, les surveillances, les poursuites de nuit, les armes de compte. On dirait Rambo. Je m'en occupe, c'est clair? Aide. Vous avez plus avancé en un après-midi que je ne l'ai fait en 3 années de recherche. Oh, c'est du bricolage, croyez-moi. J'ai juste retouché un peu vos données, mais ça peut pas marcher. La seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Ce nounours a un jumeau. Vous n'avez encore jamais réussi à faire des répliques en 3D avant. C'est magnifique. C'est grâce à vos lasers qui produisent une bonne image bien solide. Mais pas longtemps. Je vais essayer autre chose. Comment êtes-vous sûr que le tueur va venir? Il savait très bien que vous rencontriez Anna sur la pelouse du collège. Il doit y avoir des fuites dans vos transmissions. Vous avez fouillé chez moi, ainsi que dans la chambre d'Anna, pas de micro. Mais il y a un tas d'autres moyens d'écouter des conversations. Et c'est justement là que vous allez nous servir. Vous vous souvenez de ce que vous devez dire? La politique, c'est 90% de comédie. À vous.
Anna Fabrizi. Bonjour ma chérie, ici William. Si ta conférence ne te retient pas trop longtemps, on pourrait peut-être se voir ce soir. Je me suis dit que tu aurais pu venir ici voir un essai du logo en laser. Celui du Parti de la Liberté ? J'en serais ravie. À quelle heure ? Disons 8h, au Riverside Arena. C'est parfait. Il y aura quelqu'un d'autre ? Rien que nous. Rien que nous dans cet immense espace. Je veux que tu sois la première à y assister. Merveilleux. Tu y viendras ? À 8h. Ciao. Ciao. Eh ben, pourquoi m'avoir fait utiliser un portable ? Parce qu'on croit que c'est à cause de ça qu'ils ont su ce que vous faisiez ce matin. Discuter avec votre ami sur un portable, c'est comme parler de votre vie privée avec une concierge. Déclinez votre identité. Déclinez votre identité. Ici, c'est Mackenzie. Vous avez fini avec vos imbécilités électroniques. Vous ne savez pas ce que c'est que la sécurité ? C'est pour ce soir au Riverside Arena. Et je veux qu'une voiture m'attende pour m'emmener à l'aéroport. Je vous donnerai plus de détails plus tard. Je vous enverrai le véhicule. Comment mon chauffeur vous reconnaîtra ? Il n'y aura personne d'autre aux alentours à ce moment-là. Dites à votre chauffeur de faire 2 appels de phare. C'est moi qui viendrai à lui. Starkey, ne ratez pas votre coup cette fois-ci. Je préférerais. Sinon, il y aurait de fortes chances qu'on soit obligé de se rencontrer. Et cet homme, ce Starkey, il a échoué 2 fois. Envoyez-lui la voiture, mais ne l'emmenez pas à l'aéroport. Vous voulez que je le flingue ? Si cette fois il arrive à descendre Anna, je changerai peut-être d'avis. Et si jamais il la rate encore ? Anna doit mourir avant les élections. Elle deviendra le martyr de notre parti et moi j'arriverai au pouvoir sur une vague de sympathie des votants. Et là, vous oublierez vite toutes vos théories sur la non-corruption. Ce sont les théories d'Anna, pas les miennes. D'ailleurs, si jamais elle accédait au pouvoir, certains de mes amis risqueraient d'avoir de sérieux ennuis. C'est donc une chance qu'elle n'ait toujours pas découvert quels sont ces gens que vous fréquentez. Il y a de gros risques. C'est pour ça qu'elle doit mourir. Aïe. Je ne m'attendais pas à voir ça. Me voir faire de la couture ? Non, te faire mal aux doigts. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouton ? Un micro ? Non. Un émetteur ? Non. Les deux. Oh, y'en a marre. J'ai jamais été douée pour la couture. Ah, c'est formidable. Merci. C'est miniaturisé à l'extrême avec un maximum de puissance et d'efficacité. Il m'a fallu 2 semaines pour arriver à ça. C'est le seul exemplaire ? Oui, jusqu'à maintenant. C'est un prototype. Je te le donne pour que tu le testes en situation, mais rapporte-le-moi. Ah. Avec Beckett, vous êtes sûr que ce ne sera pas une autre bombe ? Mais oui. On a fait en sorte que sa seule option soit d'utiliser un fusil. J'espère que ce sera le cas. Parce que si tout vous pète au visage, c'est pas moi qui vous recoudrai. Merci, Gina. On se voit au petit déjeuner. Buonanotte. Vous aussi, vous allez vous coucher de bonne heure parce que je vais travailler. Pour l'instant, je vais prendre une douche. Alors, si vous permettez, sortez. L'ascenseur de madame est avancé. Vance appelle la base, Vance appelle la base. Beckett est avec mademoiselle Fabrizi, ils viennent d'effectuer une sortie non autorisée. Ils s'en vont. Suivez-les. Thank you.
Tout est calme. Pour l'instant, je ne vois personne. Ça y est, les voilà. J'espère que mon intuition était bonne et qu'on ne va pas les surveiller pour rien. Anna ? Tout a été réglé, c'est là-haut. Le mieux, c'est d'aller s'y installer. C'est vraiment immense. Ed, il est là, à l'intérieur du bâtiment, à proximité du pilier côté sud. Je ne l'ai pas vu passer. Peut-être, mais en tout cas, il est là et il a un fusil à lunettes. J'arrive tout de suite. Ça va ? Ça va. Il a tiré sur l'hologramme comme prévu. Alors, qui a essayé de me tuer ? Je veux le savoir. Vous en faites pas. Ed devrait le coincer. Ils viennent d'abattre le type. Je vais aller jeter un œil sur la voiture que j'ai vue tout à l'heure. Je suis sûr qu'elle a un rapport avec le tueur. Ross ? Kate ? Mince ! Je vous avais prévenu, Beckett. Nous avons appris la menace de meurtre qui pesait sur Mademoiselle. Et c'est pourquoi nous sommes là. En revanche, vous, vous n'avez fait que la mettre en situation de danger. Non, nous étions tous les deux en sécurité, cher monsieur. Et c'est moi qui ai voulu tendre un piège au tueur. Oui. Eh bien, maintenant, je peux vous assurer qu'il ne vous ennuiera plus. Ma voiture vous attend, Mademoiselle Fabrizi, si vous voulez venir avec nous. En ce qui vous concerne, Beckett, fichez-moi le camp d'ici avant que je ne vous fasse boucler. Il adore faire son petit numéro, on dirait. Vince ne sort pas très souvent de son bureau. Alors, quand ça lui arrive, il en profite un maximum. Mais où est passé Ed ? C'est vous, Starkey ? Et vous, qui êtes-vous ? Ne jouez pas au petit malin.
On a entendu des coups de feu. Sûrement les services de sécurité. Ils s'entraînent même la nuit. Qui êtes-vous? Starkey. Allez, monte. Tout a été arrangé? Oui, mademoiselle. Bien. Voir la mariée le matin du mariage, j'ai entendu dire que ça portait malheur. Je sais. Je suis venu essayer de te faire changer d'avis. Pourquoi? Imagine que Vance vient de s'en mêler. Monsieur Vance n'est pas au courant de ce qui va se passer. On peut encore annuler, le faire après les élections. Je peux repartir en Italie avec toi et on peut s'y marier. Non. On a prévu de le faire pendant que j'étais en Angleterre. Aujourd'hui, j'y suis. Et personne ne nous empêchera de nous marier. Je ne crois pas que c'est dangereux. Alors ça, personne ne peut le savoir. Cela dit, Vance nous a bien dit que le tueur avait été abattu. Mais on n'a pas encore trouvé le commanditaire. William, je n'ai pas envie de passer le restant de mes jours à me cacher sans arrêt. C'est ta secrétaire qui nous servira de témoin? Bien sûr. Et Corelli? Je ne lui ai pas encore demandé. J'ai préféré attendre jusqu'à ce matin, pour que la surprise soit plus grande. Tu as confiance en Steve? Ça fait des semaines que nous parcourons le monde ensemble. Je ne vais pas laisser les journaux lui apprendre la nouvelle. Se marier? Non seulement elle est encore en vie, mais elle va se marier dans la matinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? On a récupéré Starkey. Vous voulez le voir? Ah oui, je veux le voir. Spencer, tu veux aller chercher notre hôte? Alors c'est toi, Starkey? Oui. Pourquoi est-ce qu'on me traite comme un prisonnier? Parce que t'arrêtes pas d'échouer sur un boulot pour lequel j'ai payé. C'est amusant, vous avez changé de voix. Tu n'es pas celui avec lequel je parlais au téléphone. Vous plaisantez. J'utilise toujours des filtres électroniques au téléphone. Comme cette bande ridicule que tu as toujours passée avant de me parler. C'est ça, la sécurité. Oui, je connais. C'est pour ça que je vais te descendre. Et doucement! Il y avait un contrat entre nous. Il est annulé puisque tu as échoué. Ce n'était pas ma faute. Fabrizi a engagé des types pour la protéger et toute cette affaire n'était qu'un piège. Ah oui? Oui, oui. Les services de sécurité avaient encerclé le bâtiment. Ils ont même flingué quelqu'un, un passant, sûrement. C'est tout à fait le genre du SSD de flinguer un passant. Enfin, ils ont moins abattu quelqu'un, c'est quand même mieux que lui, non? Starkey, non seulement Fabrizi est encore en vie, mais elle a l'intention de se marier dans la matinée. Se marier? Le nom de l'église et je la flinguerai. Tu veux la tuer au mariage? Tu veux que je te fasse encore confiance? Je l'aurais tuée avant que l'encre n'ait séché sur le registre qu'elle aura signé. T'accorde une dernière chance. Mais si ça foire, t'auras plus la possibilité de te racheter. Non, elle ne veut pas. Vous savez pourquoi? Demandez-le lui. Votre secrétaire m'informe que vous n'avez pas l'intention d'assister à la conférence de ce matin. Non. Qu'allez-vous faire alors? Sans être indiscret? Je vais aller me baigner dans la piscine de l'hôtel. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Ross, Beckett, je ne sais pas si vous m'entendez et je ne vais pas pouvoir parler longtemps. J'ai perdu ma radio et je me sers du bouton et j'espère qu'il va marcher. Vous n'allez pas le croire, mais je suis un tueur et j'ai un contrat. Ed, mais où est-ce que tu es passé? Il ne peut pas t'entendre, le micro c'est un bouton. Ah voilà, autre chose.
Mais la prochaine fois, tu pourras en coudre deux. Un qui émet et un qui reçoit. Ed n'a jamais été formé au travail d'infiltration. Et là, il risque sa peau. Tu veux pas la fermer, il essaie de tout nous expliquer. C'est moi qui aurais dû surveiller le tueur, pas lui. Anna va se marier ce matin. Et c'est moi qui dois la tuer. Je vais continuer à jouer le jeu pour savoir qui est derrière tout ça. Cross, Beckett, je ne sais pas si vous m'entendez, mais... Soyez sympa, essayez d'arriver à l'heure à l'église. Ça y est, c'est fini. Ça explique qu'elle n'ait pas répondu. Attends. Me baigner, c'est la dernière chose que je ferais si je devais me marier dans la matinée. Elle n'est pas dans les vestiaires. Ça, c'est ce qui se produit quand on ne veut pas employer des femmes. Bien joué. Vous avez tout ce qu'il faut. Le bouquet. J'ai votre porte-bonheur. Et quelque chose de bleu aussi, ça porte chance. Jolie, oui. Bravo, Gina. Écoute-moi bien, Starkey. J'espère que cette fois, tu vas enfin accomplir ta mission. Mésentente au sein du parti ou bien elle épouse quelqu'un que vous n'aimez pas? On ne te paie pas pour poser des questions, contente-toi de la tuer. Elle n'a pas de chance en amour. L'amour n'a rien à voir là-dedans, ce n'est que de la politique. Le mariage, il a lieu où? Tu vas le savoir. Dans une église? Qu'est-ce que ça peut te faire? Simple curiosité. On y va. C'est la voix de Corélie qu'on a entendue. Mais c'est normal, j'ai déjà vu deux politiciens être vraiment des amis. Il émet à combien ton bouton? Hein? Le micro-émetteur que tu lui as cousu. Ah. 2-3 kilomètres. Espérons qu'ils vont pas se marier à Rome. Ah, je suis voilà. Contente. Moi aussi, je suis contente. C'est très gentil de votre part, Gina. Allez, enfile ça. Mais c'est pas du tout mon style, ça. En général, je porte plutôt des vêtements italiens. Tu n'auras pas à le porter longtemps. Ouais, je sais bien, c'est plutôt lourd, seulement c'est rempli de pain de plastique. Génial, c'est une petite police d'assurance en quelque sorte. Exactement. Si pour une raison ou une autre tu échoues encore, on mettra un terme à notre petit contrat. À mon avis, ils sont arrivés. Je vous écoute, monsieur. Maintenant, vous pouvez me dire le nom de votre église. Vous ne voudriez tout de même pas que je me trompe de cérémonie? Nous avons pris nos précautions contre cette éventualité. C'est Mackenzie qui va te dire où aller. Nous saurons aussi ce que tu fais en permanence. D'ailleurs, je te préviens que si tu ne suis pas les instructions, il y a une caméra vidéo fixée sur ton fusil. Mackenzie verra tout ce que tu fais. Il se fera même un plaisir de te dire si tu vises un peu trop haut. Si ça continue comme ça, vous finirez par me surveiller par satellite. Et surtout, n'essaie pas d'enlever cette veste. La fermeture en haut boucle le circuit. Si jamais tu la descends, tu amorces le détonateur et tu exploses. Vas-y, Starkey, fais ton boulot. Ah, voilà déjà notre futur marié. Le petit cadeau pour la mariée. Qu'est-ce que c'est ?
Ah, ça, c'est le tien, ça va te motiver. Si le travail n'a pas été exécuté dans 15 minutes... Boum! Allez. Tu prends position sur la galerie. Et vous, vous serez où? Quelque part où je pourrais surveiller tes faits et gestes. Tu as une pointure, mais en couture, il y a au revoir. Alors, elle est où cette église? C'est là, mais ce n'est pas une église. Bon, alors vous vous serrez un peu et vous souriez. Vous devez être monsieur William Swift. Permettez-moi de vous présenter toutes mes félicitations. Je vous remercie. Attendez, ça va. Mais non, je vais vous arranger ça. Bon, alors dépêchons-nous. On est en retard? Ça va encore. Mais ne traînons pas quand même. La voilà. À juste là. Montre-moi ta cible. Bon angle de tir. Est dans la ligne de tir. Descends là en même temps s'il le faut. Descends les deux. Oui, c'est ce qui boucle le circuit, on a entendu. Ça va, j'ai compris. Arquet. Aurais-tu de la compagnie? Non, j'essaie de me déplacer. Si tu ne l'as pas descendu dans les 3 minutes qui viennent, ta veste explosera et on te ramassera la petite cuillère. Dépêche-toi de couper un des fils. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y en a aucun. De vous présenter devant nous pour vous unir.
Alors, je demande aux personnes ici présentes... Je demande aux personnes ici présentes... ...de témoigner que moi, William Swift... Alors, de témoigner que moi, William Swift... ...prends Mademoiselle Anna Fabrizi... ...prends Mademoiselle Anna Fabrizi... ...comme légitime épouse devant les hommes. Comme légitime épouse devant les hommes. De témoigner que moi, Anna Fabrizi... ...prends Monsieur William Swift... Comme légitime époux devant les hommes. Comme légitime époux devant les hommes. Anna, attention! C'est Coralie qui cherche à vous tuer! Alberto, mais qu'est-ce qui te prend? Je vais te donner une leçon, l'honnêteté ne paie jamais! Je vais te dépêcher! Je n'y arriverai jamais si tu n'arrêtes pas de bouger! Laissez-moi m'en aller ou je la descends! Tirez! Abattez-le! Accorde-moi 5 petites secondes! Utilise à peine! Laissez-moi sortir d'ici! Vous n'allez pas faire d'elle un martyr! Il t'en a fallu du temps pour trouver ce qu'il fallait enlever. J'y suis arrivée. Quoi que t'en dises. Si vous me le permettez, j'aimerais finir. J'étais sur le point de vous dire que vous êtes désormais mari et femme. Tu sais aussi repasser ? Ross, je t'en prie. J'essaie seulement de réparer les dégâts que tu as faits. Et finalement, je me débrouille pas mal. Hé ! Tu veux pas repriser mes chaussettes ? Oh, laisse-le tranquille. Il fera une merveilleuse petite femme d'intérieur un de ces jours. Tu avais laissé ça au laboratoire de Williams. Ed ! Oui ? Non, pas toi, mon ours. Je l'ai appelé Ed aussi. Et la prochaine fois que ce vieux Ed-là nous fera défaut, on utilisera celui-ci. Il fera sûrement du meilleur travail. Oui, c'est une très bonne idée. Et puis, vous savez ce qu'on dit ? Vas-y. Deux Ed valent mieux qu'une. Oh.